Donc bonjour, moi c'est Charlotte et je suis en management du tourisme durable en master 1. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis en master 1 management du tourisme durable à Chambéry. Moi ce qui m'a vraiment donné envie de suivre cette formation, c'est l'aspect durable, mais dans le domaine du tourisme auquel je suis très sensible. Ce qui m'a marqué en règle générale, c'est les nombreux projets sur lesquels on peut travailler avec des vrais professionnels, donc où on se sent vraiment impliqué et considéré en tant que professionnel du tourisme et pas seulement en tant qu'étudiant. Alors nous on a le BDE donc qui s'appelle CITEM. Tout se passe très bien, ils organisent très souvent, au moins une fois par semaine, des événements et des soirées étudiantes. Ce qu'il y a de bien à Chambéry, c'est que c'est pas une ville très grande, donc on se retrouve toujours aux mêmes endroits en général, avec les mêmes personnes, et c'est super sympa pour faire des rencontres et pour partager de beaux moments. Derrière tout ce qu'on peut voir, il y a un million de métiers. Faut pas avoir peur de se lancer parce que beaucoup d'opportunités peuvent s'offrir à nous. Alors oui, un petit peu. En fait, les gens avec le milieu du tourisme, ils ont l'habitude d'être en contact plutôt avec les offices, avec les monuments, avec des métiers de terrain. Mais en fait, derrière tous ces métiers de terrain, il y a un panel de métiers différents qui sont très polyvalents. Et donc oui, il y a forcément des préjugés. Alors moi, je vous conseille de ne pas hésiter de venir nous rejoindre en master parce que l'ambiance est chaleureuse et conviviale. On s'entraide beaucoup, il y a beaucoup de solidarité. Les effectifs sont assez réduits, ce qui permet d'avoir une énorme cohésion entre nous. Et le cadre de vie est parfait entre montagne, lac. Cette formation, elle est vraiment bien parce qu'elle traite réellement la question de la durabilité en profondeur et comment l'adapter dans le milieu du tourisme.